Je me présente, moi je m'appelle Rudy. Je m'appelle Lucie et j'ai 18 ans. Je suis Charlotte, j'ai 18 ans et je suis en service civique. Oui, je suis en service civique dans la radio. Je fais mon service civique dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Je fais mon service civique ici au centre de planeurs 3 Aube. On fait des visites à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas trop bouger, sont dans le besoin de recevoir de la visite. J'aide beaucoup les demandeurs d'asile dans leur démarche. Je fais l'horoscope, programme TV, ciné et je fais aussi du direct. Il est 9h47 dans cette dernière partie de matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, nous vous retrouvons pour votre programme TV du jeudi 23 mars sur TMC à 21h. Épouse-moi mon pote. Je suis en train de monter mon propre programme TV, enlever toutes mes répétitions, tous mes bugs, mes respirations. J'ai choisi de faire un service civique parce que j'avais des difficultés à l'école, j'étais déscolarisé donc je n'avais rien du tout. Je suis investie. Je suis solidaire. Je suis ambitieuse. Et mon engagement va durer 9 mois. 8 mois. 7 mois. Je suis engagée. Je suis créative. Je suis curieuse. On forme des planeurs et au mois de septembre, des pilotes d'Air France. La saison vient seulement de commencer. Notre instructeur qui nous a fait découvrir le truc, comment ça marchait, les outils, à quoi ça servait, s'il y a une panne, comment réagir, etc. J'espère pouvoir voler car ça m'intéresse. Pour moi, c'est que du bonheur. Mon service civique, je le fais en parallèle de mes études. C'est plus tard, je voudrais être pilote de chasse. L'armée de l'air. Ma mission m'apporte beaucoup de bien-être. De la confiance en moi. Un avenir. Argent, surtout. De la prise d'initiative et j'ai pu rencontrer un nouveau public. Après mon service civique, je vais reprendre mes études dans l'immobilier. N'hésitez pas à vous engager, ça fait une première expérience professionnelle sous la supervision d'un tuteur, donc c'est progressif. Pas besoin de diplôme. Foncez, ça va vous ouvrir au monde.